Les 30 Glorieuses. Hey, il m'est arrivé un truc incroyable. Ce week-end, je suis allé manger dans un restaurant gastronomique halal. Bon, déjà le serveur, Rachid, il m'accueille avec une coupe de champagne sans alcool. Mais tu te fous de ma gueule, Rachid? On n'a pas de boisson chez nous? Qu'est-ce que tu fais de nos grands crus? Pomps, Selecto, Mirinda, Ivry Fraise. Un verre de ça, t'es rabat pendant 2 jours. Ensuite, cette fripouille de Rachid me balance le menu. Écrasé de pommes de terre sous son collier de panurge, j'ai serti de perles d'Agen. Mais attends, je le reconnais ce plat. C'est un tagine au bourkork. Bah alors, Rachid, t'essaierais pas de m'entuber? Tu veux me vendre ça 38 euros, bordel, alors que le tagine au pruneau, tout le monde sait ici qu'il est à 9,50 €. Au restaurant Les 4 Frères, 37 boulevard de la Villette. Placement de produit. Tu sais à qui tu parles, Rachid? Là, t'as en face de toi un putain de client premium. Du grec de Jaurès, les délices d'Antalya, Siro, la formule, une adresse de légende. Et là-bas, je peux te dire que c'est pas gastronomique, mais gastro-entérite. Wouh! Van, Smecta, Limodium, Dragé, Fuka. Putain, Rachid, mais regarde-toi avec ton lissage brésilien. Voilà, tu me dégoûtes. C'est une coupe de cheveux, ça, que t'as sur la tête? Tu crois qu'on joue dans la même cour? Regarde ça, man! Ça, c'est une coupe de bonhomme! Regarde-moi, Rachid! Regarde-moi dans les yeux quand je te parle, putain d'enfoiré! T'as devant toi le sosie du présentateur vedette du JT égyptien! Il est 20h au Caire! Essaye de tout. Reis de l'American Albebel comme Donald Trump. Ouais, je suis bilingue. Voilà de la virilité, Rachid. T'en veux? Je vais t'en donner, moi. T'oses te présenter devant moi comme ça. Chemise moulax, épilée, bodybuildé. Mais attends, Rachid, je te reconnais. Tu serais pas Quentin d'Alliage? Mais je te croyais mort! Il a ressuscité, putain! Mais j'étais trop fan de toi, man! Je savais pas que t'étais serveur à Pavillon-sur-Bois! Je connaissais tes chorégraphies par cœur! Baila, te quiero, amor! Ouais, j'étais fan! J'aimais bien aussi les Worlds Apart! Tu te rappelles de chez Lim, ce bâtard, la fierté des nôtres. Bah oui, c'était le seul métèque auquel on pouvait s'identifier. C'était clairement un intrus dans le clip. Il était là, je te donne, putain, le bougre. À l'époque, j'avais des posters des G-Squad. Montez pas, les gars, je sais que vous aussi. J'avais des posters de East 17. Un soir, mon paternel est rentré du boulot, un peu mal luné. Il est rentré dans ma chambre et il les a tous arrachés un par un. To Be Free, Take That, Boyzone. Il a presque tout déchiré. Il en restait un dernier au mur. J'étais là, oh non, bah, je t'en supplie, pas ça, pas lui. Pas Freddie Mercury, putain. À la place, il a mis des posters de ses idoles à lui. Bachar el-Assad, Bokassa, Muammar Kadhafi, putain. J'étais fiché S à 11 ans, les gars. Il était fan de ces gens. Il me disait, ça, c'est des hommes, ça. Mais quand j'étais gosse, à l'école, pour la fin de l'année scolaire, je me rappelle, ils avaient organisé une fête. La vie de ma mère, c'est vrai ce que je vous raconte. Le thème, c'était les super-héros. Tandis que mes camarades étaient déguisés en Batman ou Superman, mon père m'avait grimé en Saddam Hussein. Putain, oh bah pas facile d'être un homme, c'est pour ça que je garde le béret encore. On vit une époque incroyable, c'était la chronique incroyable.